Ah mais non mais ça marche pas. Ah ça marche. Ça marche je crois. Là ça devrait marcher. Ok, je suis désolée, j'y ai eu un souci. Ça ne fonctionnait pas. C'est bon? Ok, donc en fait depuis tout à l'heure je parle dans le vent. Excellent! Excellent! Très bon stream. Ça fait une demi-heure que je parle dans le vent. Excellent, excellent. Ça va les gens? Bon, bah écoutez, ça va là, vous m'entendez ou pas? Ok, je vais mettre des doigts. Combien j'ai de doigts là? Combien j'ai de doigts? J'attends la réponse dans le chat, hein. Vraiment. Je vais rester comme ça jusqu'à ce que quelqu'un me donne la réponse. Hein? Voilà. Je vais attendre. 15, excellent, c'est ça. Merci. Ça fait longtemps que je suis comme ça, parce qu'en fait là, je suis quand même un petit peu en train de jouer. Très bien. Je sens que ce stream commence excessivement bien. Excellent. Bon, bah on y retourne, hein. Alors, en fait, je sais pas si... Parce que, en fait, tout à l'heure, je parlais et j'étais en train d'expliquer ce qui était en train de se passer. Depuis que j'ai repris. Ah, d'accord, depuis que j'ai repris. Bon. Bon, les enfants, on va faire une nouvelle... on va faire un... Ok, on va faire un nouveau début de stream. Parce que comme ça, parce que là, c'est un peu compliqué. En gros... Le peu que j'ai joué, vous vous souvenez qu'on était un petit groupe qui devait aller dans la station des nazis. Je les ai appelés les nazis parce que voilà. La station des nazis, tu sais, qui était un peu tout fermé dans la ville de Savannah, là où je sais pas quoi. En gros. Donc on était dans la station des, on est allé dans la station des nazis. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de morts-vivants dans la station des nazis. Voilà. On s'est rendu compte que tout le monde s'en bat les couilles. Très bien. Bah, je vais arrêter de le raconter en fait. Très bien. Take a look around. I'll make sure no stragglers Voilà. get under this door. On est chez les méchants nazis, il y a plein de morts-vivants. Voilà. Ça fait plaisir de voir que tout le monde s'en bat les couilles. Je suis très très heureuse de voir que tout le monde s'en bat les Well, I can see where the battery should be, but it's not. Perfect. Excellent. Looks like Crawford had their own semi-trucks. Ah oui, Crawford. Truc des nazis là. That blinking must be an anti-theft system. Good chance of a working battery being in that car. If I can find a way to get up there. Hein? De quoi? Mais je comprends pas, tout le monde s'en bat les couilles, il faut que je raconte. Moi je sais pas, moi je suis extrêmement perturbée depuis le début de ce stream. Rien ne fonctionne, vous me dites, on s'en bat les couilles, mais en fait on s'en bat pas les couilles. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne vous comprends plus! Looks like it's the hose for the lift hydraulics. Don't think I can pry that hose apart. Non mais en fait c'est simple, c'est qu'on est hands. dans Crawford, mais en fait Maybe if I had manifestement ils ont eu something un to cut problème it with. parce qu'il y a des zombies partout et les mecs sont fait envahir par des zombies. More of Crawford's Voilà. rules. Donc là ce qu'on essaie de anybody faire c'est live trouver de like this? l'essence, une batterie I'd et rather des take my médicaments. chances on the outside. Et Molly, elle est un peu chelou. No power. C'est marrant parce que c'est vraiment genre le jour où comment dire, le jour où les gens d'avant sur le stream s'en battaient les couilles. Oui, je ne sais pas. Mais je sais pas s'il y avait vraiment des gens parce que manifestement j'avais un souci et genre mais il y avait Laurie, mais je ne sais pas où est Laurie. Je ne sais pas si Laurie est toujours là. Très étrange. It's locked. No way in. Looks like it's the hose for the lift hydraulics. Don't think I can pry that hose apart with just my hands. Maybe if I had something to cut it with. Mais c'est marrant, mais quand même, à chaque fois que genre Phibulle s'il est pas là, j'ai un problème. C'est-à-dire qu'en fait là, ça aurait pu aller tout seul comme à peu près d'habitude, mais non. C'est-à-dire que Phibulle est pas là et donc j'ai un problème technique. En fait, faut que tu sois toujours là, Phibulle. Faut pas que tu genre tu te barres comme ça. Faut que tu vérifies que toujours que mon stream fonctionne. Parce que sinon, si tu vérifies pas qu'il fonctionne, il va pas fonctionner.
Tu vois? C'est comme moi, souvent, je prends un parapluie avec moi. Enfin, là, non, parce que c'est l'été qui fait 40 degrés. Mais je prends un parapluie, genre l'hiver, parce que quand je prends un parapluie, il va pas pleuvoir. Tu vois? C'est le même principe. Anyway. Zéro rapport, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est la faute à Phoebus. C'est pas la faute à Phoebus. C'est, tu sais, tu te dis, oh, ça a été toutes ces autres fois, donc ça va aller. Et non, c'est la fois où ça merde. Toujours comme ça, de toute façon. Je disais aussi. C'est ma faute aussi. Mais non, l'escalade. Something you need? What do you think happened to Crawford? Don't know, don't care. As far as I'm concerned, these fuckers got what was coming to them. Not a lot of sympathy for all the people who died here, huh? I have about as much for them as they did for the sick and the old and anyone else they didn't think was fit to belong in their little paradise. So yeah, fuck them. What was all that about back there? He came at me up on that rooftop. Tried to take a bite out of me, so I took care of business. What, you got a problem with me killing geeks? No, it just seemed like you went to town on him. J'ai loupé quoi? A Écoute, more mec, than je you vais pas needed refaire to. Un récap. Hey, you never really know Encore when une those fois. Things are all the way dead. I was just J'avais making quête là sure. depuis le Look, début. you want to get this battery or not? Time's wasting. Non, en gros là, ils sont dans Crawford. Ils sont dans Crawford et il y a des zombies partout. En fait, ils sont rentrés dans Crawford et ils se sont rendu compte qu'il y avait des zombies et que les mecs se sont fait attaquer par les zombies. Think I can borrow that voilà. Hook thing of yours? I don't know. Hilda and I have been through a lot together. Crawford, c'était l'endroit où il y avait une sorte de barricade de zombies. Je sais pas Please si vous vous souvenez la dernière fois. I'll take good care of her. She won't get a scratch. I got your promise now. Not a scratch. I can't reach it up there. Mais tu peux. Did it. Nice. That's probably not good. No shit. I'll try to hold him off. Hurry. There's the battery. Finally something goes right. Still attached to the terminals. Excellent. Excellent, on va tous mourir. Still attached to the terminals. Mais what? Got that one off. Oh putain. It's off. Got it. Yeah, but we still got a problem here. Put it in here, I'll carry it. Okay, follow me. Move your ass. Mec, toi, gars. Putain, le stress. It's shut. Shoot it out. Putain, la meuf, elle est badass, hein. Oui, elle met ça dans son sac à dos, j'adore. Énorme, excellent. Et puis elle porte Lee à un bras, tu sais. Enfin, moi, disons, Phoebus, si je vais te porter un bras, clairement, tu pars avec mon bras. Enfin, là, clairement, c'est compliqué. Hein. Bonsoir, Plageman. Bonsoir, bonsoir. Putain, mais meuf, t'es Lara Croft en fait. T'es Lara Croft Come en vrai. On, what are you, chicken? Jump. Je ne sais pas. Wouah, j'ai sauté. C'était. Wouh! Putain, moi dans le jeu, il y a plein de moments, je serais morte quand même. Come on. Later. Something I gotta do first. What? Catch you later. Wait, you've still got the battery. T'as la batterie, là? Yeah, I think I'll hold on to it. Make sure you don't leave without me. See you back in class. Molly! Mais non, mais meuf, sérieux! What the hell is she doing?
Cette fille, elle est monnaie du fibule pour sauter comme ça de bâtiment en bâtiment. Oui, probablement. J'aimerais bien trouver le truc de Logan, ça m'intrigue. Ça m'intrigue de ouf. You sure you two don't need any help? We're taking care of it, Lee. Don't worry. Ouais, ça fait genre 20 minutes que vous êtes dessus, donc peut-être que on peut peut-être se manier un peu le cul, quoi. Globalement. Bon, on va aller voir Ben, cette espèce d'abruti. Oh, putain, j'espère qu'il a été tourné en zombie. Parce que comme ça, je pourrais potentiellement le tuer. Ce qui me mettrait dans une joie immense. Assez rapide. Oui, bah ça va, vous êtes mort. Excellent. Ouais, hein, ils sont nombreux. Hein. Ouais, ils ont l'essence. L'essence, batterie. Excellent. Let's get the hell back to the classroom. Give us a hand with these fuel cans. They weigh a goddamn ton. Y a machine qui s'est barrée avec la batterie, par contre. Ça fait un peu chier, pour le coup. Ça casse un peu les couilles. Hein. Hey, how'd you guys make out? We got the fuel. Awesome. Good job, guys. How you doing with that door? Ça fait 20 minutes que t'es sur cette not porte. So good. Here, let me give you a hand. Hey mec, tu défonces la porte. Battery en fait. Yet? Yeah, Molly has it. She should be back here soon. She'd better be. Bon, on va parler à machine là. Bree? Hey Lee, thanks for all your help back there. I don't think we would have made it without you. No problem. We're all on the same team. Donc t'as survécu à un cancer. Lee, c'est le gars. Il a vraiment... il sait parler aux gens. Alors, il paraît que t'es un clochard. Excellent. Alors, t'as eu un cancer. Excellent. Ah là 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 là. Enfin bon. Alors, il paraît que t'as survécu à un cancer. Putain, mec. Like Vernon and the others. Yeah, I was diagnosed when I was in college. Been getting treatment ever since. Just when I was starting to get better. When I thought there might be some hope. Oh, oh, il dit ce qu'il pense. Oh, bah, il dit ce qu'il pense. Il a pas de filtre. Ça plaît, il s'appelait pas. Il s'en fout. I'm the only one who survived. Ouais, enfin, tu sais, il y a vraiment de. Il y a une manière de parler aux gens quand même, tu vois. Lee, il a zéro tact. How long have you known Vernon? Ça a l'air d'être un bon gars, mais il a zéro tact. He ran our support group. He was really great, helping me come to terms with my disease. But how do you come to terms with something like this? With a place like Crawford? I don't know what I or the other survivors would have done without Vernon. He's the one who held us together. Pour garder des filtres sociaux pour éviter de mourir. Tu sais les gens, bah justement en fait les gens peuvent devenir hyper plus susceptibles ou tu vois donc tu je me dis un peu de diplomatie en fait au contraire en cas d'apocalypse c'est pas si mal en fait. I got no sympathy for what happened to these people. Parce que dans le monde normal, les gens ils vont pas forcément te tuer parce que c'est la loi, mais là, ils s'en battent les couilles en fait. However Crawford fell, I consider it poetic. Parce que les filtres sociaux sont la base de notre humanité. Je suis un peu d'accord. Pour le coup. If you'd seen what I've seen, you'd feel the same. I'm a little busy here, Lee. Maybe you should go get that battery or help with the medicine. Ah ok. Je pense que je l'ai énervé. Non mais je suis un peu d'accord. C'est même pas un filtre social, mais c'est juste genre pas être une grosse merde avec les gens quoi. Je me parle plus ça en fait. Potentiellement. Ben il va faire une connerie encore. What do we still need? We already got the fuel and the battery.
Once we find some medicine, we'll be good to go. So where's this battery you found? Molly has it. She ran off to do something. Well, she'd better bring it back here. I don't know why you trusted that girl with it. Bah, j'ai pas trop eu le choix. She saved your life, didn't she? Yeah, but what has she done for me lately? What? Kenny, il oublie très rapidement no que... No TV. Il oublie très rapidement ce que les gens ont fait pour lui, quand même. Hein. Bah, oui. Après... Ah là là. Mais en fait, moi je trouve que être poli sur internet, ça. Finalement. C'est potentiellement. C'est peut- pour moi, c'est un gage encore plus de. Comment dire. Attendez, quoi? Il y a des gens, hein? Je comprends pas. This place definitely has some major damage. Pour moi, ça veut dire que les gens sont des bonnes personnes parce qu'en fait, finalement, t'es pas obligé d'être d'être poli sur internet. Finalement. Bon gars. Enfin bon. Je pense que la porte, elle va pas tenir longtemps. Hein. Bon, je suis pas sûre de. Shit. Ah! Excellent. Mr. Vernon must be trapped in there. Bah ouais, mais je vais pas tirer là. Si? Excellent. Ça va, c'est. What the hell happened? They wandered into the hallway after we got inside. I think they must have heard us rooting around in here. The whole place is infested. They're everywhere. Calm down. I took care of them. What about the meds? Did we find what we need? Yeah, that's our other problem. Take a look. Looks like they were keeping all the prescription meds in that safe, locked up tight. Can we just guess the combination? It's a four-digit code. Oh, you do the math. Well, I doubt they just wrote it down and left it here for us to find. We should just try busting it open. We don't have any other choice. Okay, you get started. I'll take a look around, see if I can find anything useful. Okay, alors. Just a bunch of papers. No safe combination, though. Lee se parle beaucoup à lui, tout seul. C'est beaucoup, ouais. Comme les... comme tous les point and click, en fait. Oh, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ça? Il me bruit bizarre. C'est une échographie, on dirait. On dirait vraiment une échographie pour le coup. What? No tape inside. Un truc chelou. There's dried blood on this printout and on the floor. Looks like a trail of it from the safe to the camera over there, then out the door. What the hell happened here? Ouais, c'est chelou, hein. Ça pue le truc chelou. Y'all already checked these drawers? Yes, Lee. Nothing in there worth taking. Already cleaned out. Bon. Ok. Est-ce que j'ai tout vu? Peut-être parler à Vernon. How's it coming? Slow, too slow. I'm worried that by the time we manage to get this thing open, it may be too late.
Molly helped me get the battery we needed. That's great. One down. Where is she? She took off. Had some kind of errand she needed to run. Took off? With the battery? What? Yeah. Don't worry. She'll be back. I hope so. That girl doesn't really strike me as a team player. More the mercenary. La meuf, elle a préféré garder un truc de 25 kilos dans son cartable. How much time do you think Omid has, Doc? Ouais. You want my medical opinion? The sooner we get him some strong antibiotics to start fighting that infection, the better. Let's just leave it at that, huh? Hey, Doc, I just wanted to thank you for coming with us and for all your help. I really appreciate it. Don't mention it. It's times like these we've got to help each other the most, right? And we're no better than those Crawford sons of bitches. I heard that. I'll go see if I can find something that'll help us get that safe open. Oh, il va mourir. Good idea. Ça a l'air d'être une bonne personne, donc je pense qu'il va mourir. J'ai l'impression que depuis le début... Anna Correa. Guess she must have been a patient here. And what's this? Je pense qu'on va voir des trucs vraiment chelous. Phones probably haven't worked in months. Vraiment chelou. On va regarder la vidéo, mais j'ai peur que ça soit un snuff movie, les enfants. On va mettre là un truc. Vernon, Krista, come look at this. This is day 82 since the outbreak. 1547, Dr. Logan in consultation with patient Anna Correa. Why are you recording this? Regulations. Oberson has ordered me to keep records of all medical examinations and consultations. I need you to brace yourself, Anna. The sonogram confirms that you're pregnant. Ah, être enceinte durant une apocalypse zombie. Excellent. As you know, the rules are very clear. The termination is mandatory. You don't have to tell them. Tell them it was just nausea. But you gave me something for it and it went away. This is my problem, not yours. Ils obligent les gens à avorter. Mais je comprends pas pourquoi en fait, parce que faut avoir des enfants. I'm going to give you a sedative. It'll make the procedure easier on you. I don't want the procedure. I want my baby. I can't do this. I can't do this. Anna, you don't have a choice. Now if you like, you can take some time with this, but I need you to come back no later than tomorrow. OK, qui tue les vieux et les malades? Je te dirais OK, ça c'est il y a un point un peu pragmatique, mais tu as les enfants. Bah tu vois, il y a un moment va peut-être falloir repeupler quoi, tu vois. Bon. Damn it. We almost had it. What the hell kind of place was this? Like Molly said, the worst kind. Lee, maybe there's another tape. We gotta keep looking. I think I recognize that doctor. He was one of the walkers out on the alley by the auto shop. Bébé. Ouais, mais maybe tu you gardes... should search ouais, see what he's got on him. Oui, enfin, tu vois, les mecs, ils se sont fait chier à tuer tout le monde, mais manifestement, ça leur a pas trop servi, quoi. Donc, OK. Attendez... Bon bah, je pense que je vais filer le gun à... Ah, faut que je parle à Molly. Hey, Krista. Ah, Krista. Yeah. Putain, c'est Krista, c'est pas Molly. Ça avance? Are you making any progress with the safe? No. Without the combination, I don't know how we're gonna get this damn thing open. If we don't get back to Omid with some medicine soon... It's okay, we'll figure it out. I hope I did the right thing leaving Clementine back at the house. What else were you going to do? Bring her on a dangerous mission? I know. Just want her to be safe. Why shouldn't she be? No offense, Krista, but Omid's pretty sick. If he dies with Clementine alone in the house with That is not going to happen. Do you hear me? That is not going to happen. We're going to get these meds to Omid. Ouais, mais les gens qui me font ça n'arrivera pas, donc on va pas considérer l'option, ça m'énerve un peu. Are you feeling okay? I'm fine. Why are you asking me that? It's just that you've been looking a little pale the past couple of days. You've been throwing up. Oh, come on. You just dug up a rotting dog carcass. I'm surprised we weren't all throwing up. Lee, I'm fine. Quit puis elle est pâle, peut-être parce qu'il y a une apocalypse zombie et qu'elle mange rien aussi. We've got to get him these meds. Look, Lee, I just want to get back to Omid.
Let me do my thing, all right? Okay. Ok, bon bah on va peut-être faire péter le truc hein. Looks pretty sturdy. No way we're gonna force that open. We might be able to find something to pry it open, but it'll take time. We don't have time. Omid needs that medicine. We have to get it open now. Do you think shooting it open would work? Only thing that would accomplish is getting us all killed. So, no, I don't. Ok, ok, mec il me parle mal et tout. Ah, j'ai compris. Bon, je pense qu'il faut peut-être que je sorte de la pièce, possiblement. À mon avis, parce que là je trouve rien. Je regarde un peu partout, mais vraiment je ne vois rien que je pourrais utiliser. Je pense que je vais sortir. Je vais voir ce que j'essaie de trouver. Quoi encore? Ah, j'ai cru qu'il y avait des zombies. Je pense qu'à un moment la porte elle va finir par sauter, hein, par contre. Hein. Bon, elle va sauter au moment où on va ouvrir le truc, mais bon. Ouais, il me faudrait un pied de biche ou un truc. Puis il y a ce machin hein, qu'on peut peut-être ouvrir, mais j'ai pas la combinaison. Ça m'angoisse un peu ces bruits, je vais vous mentir. Si je vais par là, ça ne fait rien. Si je vais par là. La meilleure gestion caméra du monde avant ça. Bon. Ouais, parfois la caméra est un peu ouf quoi. Salut abuse d'ailleurs. On se croirait dans le premier Resident Evil un peu parfois. Tu sais, t'as des angles de caméra tout pourrave. Ce qui fait que tu vois pas le danger arriver. Tu fais ah bah excellent. Sauf que Resident Evil c'était un peu fait exprès quoi. Il faut que je trouve quelque chose. Vous allez me dire, c'est vraiment très vague ce que tu viens de dire. Mais en gros, il faut que je trouve un truc pour ouvrir. Ouvrir un machin. Just a bunch of paste. D'accord. Have to wonder what's going on in the rest of the world. Bon, les mecs, ça fait 20 minutes que vous êtes. Ou une heure là, que vous êtes sur vraiment une porte. Donc il y a un moment, on va pas non plus. Vous en avez pas marre d'enculer les mouches en fait là, je comprends pas. Bon. Les enfants, je suis un peu bloquée. Je ne sais que faire. Je ne sais que faire, je ne sais que faire. Bon. J'ai l'impression qu'il n'y a rien là. J'ai vraiment tout regardé. J'ai regardé le tapis, j'ai regardé ça, ça. J'ai parlé à la machine. Bon, rien à faire là. Peut-être qu'il faut que je sorte. J'ai pas essayé de sortir sur le toit. Potentiellement, faut que je sorte. Parce que j'allais chercher Molly en fait. Potentiellement. Ne regarde pas la porte. Ne regarde pas la porte. Ouais. Ça va être compliqué en fait. Molly, you there? This place definitely has some major damage. Ouais, ça va être compliqué. Non, mais attendez, je suis bloqué là, non? Oh non, j'ai pas envie d'être bloqué par contre. J'ai pas hyper envie d'ouvrir, si? Ouais, je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée. Bon, je vais aller voir là.
Si je trouve des trucs. Bah, c'est vrai que là, je vous avouerai que je sais pas trop quoi faire. Je sais pas s'il y a un truc que j'ai pas fait, ça va se déclencher. Je ne sais point. Je ne sais point. Ouais, y a rien là. Y a vraiment rien, je crois. Excellent. MDR. Qu'est-ce qui vient de se passer? Comme, par où il est passé en fait? J'ai pas. Ah! J'ai pas compris. Je sais pas si passer par là est une bonne idée. Ah bah si. Si. Ok, je crois que je... Parce que lui en fait c'était le gars sur la vidéo. C'était le gars. Ah c'est dégueulasse. Ah c'est excellent. Comment il est mort? J'ai pas compris, en fait il s'est pris un truc sur la gueule mais je sais pas d'où il venait. C'était un peu, ça faisait un peu... C'était bizarre. On va le fouiller, je pense que celui il a des trucs dessus. Ouais, un écran lui est retombé dessus mais c'est bizarre. Ah bah il a la cassette, excellent. Ah bah, Logan. Excellent Sparkley. Par contre faut te casser. Ne bouge pas. Shit. Time to go. Bon bah voilà. Putain. Logan. This must have been his locker. Their tape. Safe combination has gotta be on one of these. Ok, on a deux cassettes. Allons mater des petits films un peu chelous. I found two more tapes. One of them is dated October 10th. That's the day after the first one we watched. Put it in. Have you made a decision? I thought you said I didn't have a choice. Well, technically you do. You can terminate the pregnancy or leave Croft. Ouais, je crois que ça va être glauque. Death sentence for both you and your unborn child. Maybe that's best. I stayed up all last night thinking about this. Why are we even trying to survive? To keep on living, if this is what it takes. If this is what it's turned us into. I don't make the rules, Anna. Doctor, I'm begging you. Please help me. Maybe one day, when things are different, you can try again. But for now, today, we have to do this. Ah! Elle l'a tué, manifestement. Enfin, elle l'a... Non. C'était unexpected. I think we know what happened to Crawford. More importantly, we got the combination. Et la troisième cassette, y a quoi tu? Krista, are you all right? Bah allez, on sent Krista, je pense. It's nothing. That was just hard to watch. Krista, elle est enceinte. All right. Let's get those meds and get the hell out of here. Je vous parie ce que vous voulez que Krista est enceinte. Ah, excellent. We're in business. Ouais. Antibiotics, morphine. We take as much of this as we can carry. Okay, I think we're good. This is more than enough for your people and mine. Let's go. You know, I found a third tape in the locker outside. Maybe there's something else on there. We got the meds for Omid. That's all I care about. We'll head back to the classroom. Don't take too long, Lee.
Ouais, je suis un peu curieuse moi pour la troisième cassette. Y'a quoi sur la troisième? Y'a quoi sur la cassette? Ça va être glauque. Et qui a mis la troisième cassette en fait? Ça va être horrible. What? Ah! As fun as this was, I have to put a stop to this little arrangement. This is the last I can give you. Why? Orson had someone down here yesterday taking inventory. He's really cracking down. I just can't risk it. We had a deal. Yes, we had a deal. We don't anymore. My sister needs this medicine. Without it, she'll die, or she'll start showing symptoms and they'll take her away. I can't let that happen. I'm sorry, Molly. I've done all I can, but I have to look out for myself here. Yeah, that's the Crawford way, isn't it? Hmm. Bon. Well, shit. Ouais, hein. Je propose de garder ça pour nous-mêmes, hein. On n'a rien vu, il s'est rien passé. Moi, je lui en parle pas. Hein. Ça me regarde pas. Elle a fait ce qu'il fallait pour sauver sa sœur. Je juge pas. On n'est pas dans le jugement. Elle a couché avec un mec qui avait l'air bien dégueulasse. Pour pouvoir soigner sa sœur, on va pas commencer à juger les gens parce que... Ah bah Jesus Christ. Oh, you scared the shit out of me. Nickel. Where the fuck have you been? Sightseeing. I'll take that battery now. Oh, yeah. What? About that. What? Qu'est-ce que t'as fait de ta batterie? Tu te fous ma gueule? I'm just kidding. Ah putain. J'allais te défoncer, Molly. J'allais vraiment te défoncer. La bonne ambiance, hein. On est sur une bonne ambiance. Mais pourquoi il porte une batterie comme si c'était genre une boîte, alors que ça pèse 25 kilos. Forget it. We got what we came here for. Ouais, je m'en fous. Franchement. Elle t'a pranké, lol. C'était un prank, lol. What? Oh, ah! Shit! Sorry. I just got spooked by those bells, and then I heard someone coming. What the fuck are you doing out here? Kenny and I still can't get the door open to the armory. He sent me out to look for something we can use to bust it open. I found this. Ben? Where did you get that? I just found it. It was stuck in the door handle at the end of the hallway back there. Oh no. Shit! Oh! Mais quel abruti! Mais putain, mais quel abruti! Il a enlevé la hache qui fermait la porte, mais quel con! Ah merde, 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 merde! Shoot this fucker! Nice shot. Merci. Come on! Il est con ce gars, putain, mais Ben! Ben, move your ass! Ah putain, mais Ben, the fuck quoi! Is going on? They're coming. Oh shit! Oh la vache! Sir, but now how do we get out? Through the armory. We can just get this damn door open. Come ben. On, damn you! Ben, on va te laisser derrière. On en a... Je m'en bats les couilles. Non mais Ben quoi! This is my fault, all my fault. What the hell is he babbling about? Ben, we talked about this. No, wait. I want to know what he meant. What do you mean this is all your fault? Kenny, I'm so sorry. Oh putain, so sorry, ça va partir mon couille. This ain't the best time. Whatever you did, save it for later. Ben, j'avoue. We don't have time for this now. I'm sorry, we... Même Kenny te le dit. Même Kenny te le dit de fermer ta gueule. No, what? It's been me all along, putting all of us in danger. Katja and Duck, it was all me. It was all me. Wait a minute. What are you saying? Oh, it putain. Was only made the deal with the bandits at the motor inn. C'est quoi? Il va essayer de te tuer, j'en ai rien à foutre, je vais te laisser crever, j'en ai rien à foutre. C'est ton problème, c'est pas le mien. Tu me saoules, putain, il me saoule, Ben. Kitty man,
I agree with you. You should kick his ass. But now's not the time. Franchement, c'est pas le moment là. Getting out of here. You little pisshead! You're fucking dead. You hear me? Dead. My wife and child. You gotta both fucking kill. Kenny, listen to me. You can warp his skinny little ass later, but right now we gotta go. Nice group you got here. Oh, dis donc, ça va. If this asshole thinks he's getting on my boat after what he did, he's out of his motherfucking mind! Kenny, we'll sort this out later, after we get out of here, okay? Ain't nothing to sort out. I just told you the way it's gonna be. The boat's not big enough for all of us. Somebody's gotta get left behind. Might as well be this piece of shit right here! Well, I vote we leave him. I'm sorry, Ben. I know you mean well. But all I want to do is get back to Omid, and you put that at risk. Non mais en fait, vraiment... I've seen enough of Crawford to know that becoming like them is the beginning of the end. S'il faut pas commencer comme ça. I vote Ben stays with us. What about the rest of us? Don't we get a say? Ah! Adieu! On t'aimait bien! On t'aimait bien! Now can we go? Ah, on t'aimait bien, on t'aimait bien, meuf. Je t'aimais bien, t'avais l'air d'être quelqu'un de sympa. Ah, putain. Ça ferme pas. So much for the armory. What's left of it? A few rounds, that's it. You didn't close that door behind us? I couldn't. The lock was busted. Great. Just fucking great. Come on. There's gotta be a way out down here. Excellent. Ah! Coucou! Up there! Fuck! It's not gonna hold. Back upstairs! Lee, look! J'arrive à tirer à travers les planches en bois, hein. Je suis vraiment très douée. Et manifestement, j'ai munitions illimitées. Hein. Excellent! Merci, machine. Bon bah, couille! Allez! On s'en bat les couilles! Je vais te défoncer! Ah! Allez! Dégage toi aussi! Poussez-vous! Hop là! Oula! Ah, par contre, il est parti sans main. Ah, mais il a pris la hache, par contre, ça casse les couilles. Come on! Any way out of here? This leads to the roof. Il y a glissé, c'est vrai. You didn't come into town from the railroad, did you? Yeah. Why? Never mind. I can see the sewer where we came in from here. Ouais, la hache est... la hache est tombée, ça fait chier. Well, what are we waiting for? Go, go! Ça m'emmerde. Hein. Come on, let's go. What? Très bien, je m'en bats les couilles.
Putain, mais Ben, t'as été inutile jusqu'au bout, quoi. Climb up! Come on, you can do it! There's no time! You have to go! Now! Fucking around, Ben! Mais non! Mais putain, Ben! Let's go, damn it! Get the others out of here! Oui. Mais non, mais on va... Ça m'emmerde un peu, en fait, de le tuer. We both know. Non! Let me go. Oh, mais en fait, ça me fait un peu de la peine. Mais non, mais attends. Je m'en bats les couilles, tu viens! Allez! Je viens de sauver Ben, les enfants, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Parce que sinon je pourrais pas dormir. Je m'en bats les couilles. Allez, on y va. Putain, j'ai sauvé Ben. Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi? Quelle idée à la con. Ah, on est revenu. D'accord, ok, très bien. Omid? Ah putain, Clémentine, ça va? Ah, bof, hein. Clémentine. Ça va, Clémentine? Oui, Omid. Par contre. You made it back. Oui, tu es vivante. Did you find my parents? Clémentine, what happened here? One of those things tried to get upstairs. I stopped it. But what about my upstairs? Omid. J'ai évité sa question. You did good, kiddo. Real good. Hey, what do you say we go check on Omid? Je sens que tu vas le regretter. Oui, je sens que je vais le regretter. Je sens que je suis en train de juste de retarder Krista, le problème, en fait. Everything okay? Voilà. Omid! Il est mort? Ah merde! Krista, don't! Stay back! I never should have left you. I'm so sorry. Krista, get away from him! Ah, mais il est pas mort! Hey, back already? What? Mec, tu faisais une sieste et t'avais l'air mort, incroyable. Good. Feel like I could use some. You okay, kid? You look worse than I do. We almost didn't make it out of there because of this. C'est vrai qu'elle a une voix de farfadet, Clémentine. Je suis un peu d'accord avec toi, Abyss. Guys, what the hell happened out there? Let someone else tell you. I got work to do. Okay, with a little luck, you should start feeling better pretty soon. I'll stay here for a few more hours to check on him. Let me know if you need anything. Thanks, Doc. Yes, thank you so much. Maybe now's a good time for you to meet. En fait, j'aurais pas laissé Clémentine avec le flingue, il serait peut-être mort. Potentiellement. Listen, man. About what happened to Bree. Don't beat yourself up over it. There was nothing you could have done. You want to know the worst part? What? I don't feel much. I mean, I don't feel enough. Shouldn't I be broken up over what happened to her? That's how I was when I lost my daughter. When I lost my friends in those first few weeks. But now, it's like I just take something like this in stride. Like this is what our world is now, and we'd better just get used to it. What did you want to talk to me about? I know you care about Clémentine. Anyone can see that. And I know you want what's best for her. But this plan of yours, putting everyone on a boat with no destination, do you really think that's her best chance of finding somewhere where she can be safe? Ouais, Doc, il est bien. So I want to make you an offer. Il va sûrement mourir, vu que ça a l'air d'être une personne bien. What kind of an offer? I'll take her off your hands. Take her back with me, to my people. We're well supplied, well hidden, and a lot of us have had kids of our own. And now Crawford's fallen, we got nothing left to fear from them. She'll be safe with us. Safer than she will be if she stays with you, I promise you. That's what you want for her, isn't it? To be safe? I'm gonna pretend you didn't say any of this and give you a chance to walk away, which you ought to do right now. I know you think you're doing what's best for her. And if you were her real father, we wouldn't be having this conversation. But you're not. And staying with you is not what's best for her.
What? No one else around here will tell you that. Ouais, devoir rester avec des vieux incapables de se défendre, c'est vraiment une très très bonne idée. We've been through more together than you can imagine. Mais t'es un pédophile en fait, c'est ça. Anyone tries to get between me and her, anyone, is gonna wind up dead. You hear me? Take your hands off. Je vois ce qu'il veut dire, mais en fait, je trouve pas qu'ils soient plus safe, eux, que nous, en fait. Du tout. Eux, ils sont dans le sous-sol, ils ont pas de protection, il y a des zombies partout, enfin... Je sais pas. Ouais, bah, il était pas aussi sympa que je pensais. Un peu comme dans la vraie vie. Hey, going somewhere? Yeah, I'm about to head out. I just wanted to say thanks for everything. It's been fun. Fun. So that's it? After all we've been through, you're just gonna leave? Yeah, I figured you don't owe me anything. I got what I wanted in Crawford, and I never did like the water. Where will you go? I don't know. I'll figure it out when I get there. What do you want me to tell the others? Tell them whatever you want. I'm not real big on goodbyes. Tell Clementine she's going to be okay. You've got a good one there. She reminds me of me. Hey, sweet pea. Ouais, je vais essayer de le finir, ça. On the boat. I know. What are we going to do? After he fixes it, where will we go? Someplace else. Someplace better. Clem, honey, what's wrong? Is Ben going to be okay? He doesn't seem the same since he got back. Ben, Well, he's been through a lot, Clem. He's just gotten a little overwhelmed, that's all. I'm sure he'll be fine. C'est la première fois que tu joues, ouais. C'est la première fois que j'y joue. Je sais pas ce qui va se passer après. I'd like to, Clem, but I don't think we'll have time. We really shouldn't stay here any longer. It's not safe. Non. Tu te barres, tu la laisses pleurer seule. C'est triste. Tu veux pas genre lui faire un câlin? Bien, 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 bien. Petite PLS de Clémentine, ouais. Effectivement. J'ai peur qu'elle se soit barrée par contre. Clémentine. Elle s'est barrée. Elle s'est barrée. Elle s'est barrée définitivement. Je m'en doutais qu'elle ferait ça. Où sont les gens? Attends, ils sont pas barrés sans moi, rassure-moi. Attends, ils m'ont pas laissé tout seul, rassurez-moi. Clementine! Oh God! Il court pas en plus, Amelia. On voit que le mec n'a pas d'enfant. Verrou aux portes, sinon tu maîtrises plus rien passé 5 ans. Putain, j'avoue. Ah, c'est pareil, gars. Ah, puis il y avait le mec creepy là qui était. Oh, elle s'est fait enlever. Ah! Très bien. Je suis donc mort. Il vient de me mordre là.
Je me suis fait mordre là, non? Hey, Madame Y, ça va? Clémentine est partie. Oh là 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 là. Tu t'es fait mordre, gars, par contre. Si, tu t'es fait mordre. Si, si, hein, si, si. Si, 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 si. Lee? You out here? Lee? Si, si. Bah. Moi, à ta place, je me tirerais une balle, hein. Are you crazy? What are you doing out here? It ain't safe. Lee, where's Clementine? She's not in her room. Vernon ain't in the house either. Tirer le venin. What the hell is going on? Whose blood is that? It's mine. Oh my god. No way. No, no fucking way. Ah, au moins Kenny, il est triste, ça me fait plaisir en fait. There's no chance she just wandered off on her own? No. No way. Then who the hell took her? I don't know. C'est vrai que tu leur avais pas dit. Ouais, je préfère être honnête, moi, en fait. De toute façon, tu vas crever, je veux pas l'intérêt, en fait. Son of a bitch. I knew we couldn't trust that fucker. Wherever she is, I have to find her. Okay. What do you need from us? Clem may not have much time. We have a better chance of finding her if we all go. T'as gardé ta morsure pour toi. Who's with me? Ah putain, elle est peut-être partie avec le... T'as raison, elle est peut-être partie avec le docteur. Bon, en fait, le docteur, c'est un pédophile. Excellent, parfait. Vraiment super. Damn right. We can't let you do this alone. Oh, vous êtes trop gentils, les enfants. So that's settled then. We'll look for Clementine together. Hell yeah. What are we waiting for? Oh, vous allez tous mourir. Je pense que tout le monde va mourir. On part sur une mort générale, sauf Clementine. Je prédis une mort de tout le monde, sauf Clementine. Voilà. Ouais, 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 je sens que en fait le vieux c'était pédophile. D'ailleurs, c'est peut-être lui qui avait le. Qui avait le walkie-talkie en fait, talkie-walkie. Ça pue un peu, non? Ouais, ça pue la merde, hein. Ça pue l'angoisse. Kenny, you know what Clementine means to me. She's my family now. She's all I got. In the end, family's all that oui, matters. Oui, je mets tout sur YouTube. Après aussi, je mets tout sur ma chaîne YouTube. J'ai mis tous les épisodes right. sur ma chaîne, donc je vais tout mettre. What about you, Ben? Now hold on a damn minute. I'm not going if this little shitbird is too. Lee, you want to bring Clementine back alive? You'll leave him behind. He fucks up everything he touches. Je suis un petit peu d'accord avec lui. Ben, I'm sorry, but I need Kenny on this. Maybe you should stay with the boat. Okay, sure. Just don't fucking lay a finger on it. You hear? Okay, guys. Ben, je viens potentiellement lui sauver la vie là. Let's head out. Are we okay just leaving the boat like this with only Ben to look after it? Comme ça se fait que tu fais le jeu que maintenant. If anything has happened to that boat, eh ben, when I get back, je ne sais pas. Fucking bury you in that je backyard. Are we clear? Ben il est au bout de sa vie, c'est excellent. Hey, salut Eric. Ben, mon héros. Ben, c'est vraiment un pauvre mec. Hein. Il me fait un peu pitié, en fait. Je pense que je viens de le sauver, en fait. Inconsciemment, je pense que je viens vraiment de lui sauver la vie. Ah bah oui, ils sont partis. Ils sont tous morts, ils sont partis. Il s'est barré avec la gamine, en fait. Enfin bon. Il les a tous tués, il s'est barré avec la gamine. Ouais, en fait, moi, j'ai... En fait, là, j'ai acheté ce jeu... Avec un... C'était l'ensemble. En fait, j'ai tous les... J'ai tout. Tous les trucs. Bah oui, ils sont barrés. Évidemment qu'ils sont barrés. Qu'est-ce que tu crois? Ils étaient pas nets, en fait, depuis le début. Where the hell are they? Ils sont peut-être juste changés d'endroit après. Hein. Looks like they got out of here in a hurry. Oh, ils ont peut-être pris le bateau. Ils sont peut-être allés there chercher le bateau. There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Donc ouais, j'ai tous les jeux, j'ai même Mission, qui est une sorte de truc un peu à côté, si j'ai bien compris. Et je pense que je vais m'acheter le dernier, dernière saison. Donc on a... Vous allez en bouffer, hein, du The Walking Dead. Vous allez très clairement en bouffer. J'espère que vous êtes contents. Ah, excellent. On va tous mourir. Si ça se trouve...
ça se trouve, ils ont attendu qu'on sorte. Et là, ils vont aller au bateau pour prendre le bateau. Voilà. C'était un peu une stratégie assez malinoise. Ah, on va crever, excellent. Oh. Are you all right? Where are you? Vernon, you son of a bitch. Holy. Who is this? It's not Vernon, if that's what you're thinking. And you should really watch your tone. Je vais te défoncer. Clementine, je vais te retrouver, je vais te défoncer, j'en ai rien à foutre. How are you? I choose my next words very carefully. What? Non! Ah! Épisode 5, épisode 5, épisode 5. On fait l'épisode 5, les enfants. Ah, attendez. Cette voix de pédophile. C'est vraiment... Ouais, c'est vraiment... Ils ont fait la voix. Ils ont casté des gens. Ils ont fait... Est-ce que t'as une voix de pédophile, toi? Excellent. On cherche un mec avec une voix de pédophile. Trop d'intensité. Ah, oui, oui. As-tu tué le garçon du grenier? Ouais, bah oui, la majorité. As-tu menti ou menacé Vernon? Vous et 70 jours. T'es rationnel et honnête. Seul à la maison. Hein, a laissé. Putain, il n'y a que 26% des mecs, des gens qui ont laissé Clémentine à la maison. Donc les gens amènent Clémentine dans une mission suicide en fait. As-tu laissé vous et Susanna mis en sécurité? Ouais. Ouais, on sauve Ben, parce que Ben en fait il fait pitié quoi. 80% des joueurs ont montré la morsure. Putain, les gens sont honnêtes. Bon, à part des migrecs. Mais ça... Eh, hey, merci pour le follow, Luna. Merci bien. Sacré pédophile. Bon, on passe à l'épisode 5. Qui a accompagné Lee? Alors, attendez. Ah, il y a un truc où il y a Ben... Ah bah y a des gens, ils ont Ben et Kenny dans le même truc. Ah, excellent. Moi je suis à 13% avec le groupe... Oh, on va tous mourir je pense. C'était incroyable. Les gens qui n'ont pas pris Kenny alors que Kenny il est quand même assez dégourdi quoi. Bonne chance. Merci. Bon. Il est quelle heure là? Ça fait combien de temps que je stream? Ça fait pas super longtemps, moi j'ai un peu envie de continuer le... Je pense que je vais commencer le l'épisode 5 là, j'ai pas envie de rester là-dessus. Non, je veux pas quitter le jeu. Menu principal. Oui? Mais si. Ok. Si tu commences, tu vas le finir. Et bah... So be it, j'ai envie de te dire. Allez, normalement ça fonctionne. Allez, on part sur un épisode 5, les enfants. Ça va être intense. Ça va être intense, faut que je boive. Ça va être incroyable. Alors, je vous le dis, juste en août, je pense que je vais pas faire mon planning habituel. Je vais faire un peu plus light et faire des trucs un peu différents. Donc je pense qu'en août ça va être un peu chaotique quoi. I've got my walkie-talkie in case they try that way. Hey, there were some batteries in one of those boxes. Here, you can have some too. But we'll be in Savannah, and my parents were in Savannah. They always stay in the same place when they go there. The Marsh House? Yes, that's it. You didn't come into town from the railroad, did you? We gotta go! Yeah, why? Clementine? Clementine! Ouais, hein. Oh. Et si? Clementine's gone. Wherever she is, I have to find her. Puis, ce qui est bien, c'est que t'en as vraiment plus rien à foutre, vu que de toute façon tu vas mourir, donc t'en bats les couilles, quoi. We'll look for Clementine together.
Incroyable. Hell yeah. Vous allez tous mourir, ça va être horrible. She's je vais être très très triste. She's all I got. Hell, in the end, family's all that matters. Ouais. Maybe you should stay with the boat. Okay, sure. Ben. Ben, je viens de te sauver la vie, gars. Vraiment. Clementine. Holy. Bon. On y go ? Ça va être incroyable. On va tous mourir. Bon, on sait que Lee va mourir. Ça, c'est obvious. Lee va mourir. Ok. Maintenant, il faut savoir Vernon, qui... Get out here. There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Clementine, are you all right? Where are you? Vernon, you son of a bitch. Who is this? Bonne soirée, mon ami Greg. T'inquiète, hein, je mets tout sur YouTube. Les trucs avec des histoires, je les mets sur YouTube. Je vais te défoncer, gars. You're fucking dead. I don't know who you are, but I will kill you. Do you understand? I know you will. She knows you will. Say goodbye. What? Mais en fait, mec, pourquoi tu veux absolument prendre Clémentine? Il y a plein de gamins sur cette putain de planète, pourquoi? Bref. You better not fucking hurt her. I swear. Le début du live est un peu chaotique, mais ça va. Ça repart bien. Petit problème technique au début. On va tous mourir les enfants, ça va être incroyable. De toute façon, hey, Kenny, il s'en bat les couilles. How's that feeling? Bon. Peu importe, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, poteau. We don't have much time. Ouais, d'ailleurs, faudrait peut-être y aller. Hein? We're about to have a lot less. We'll all make sure nothing gets here. You're still the smartest fucker out of all of us. Try to find another way out of here. Ok. Wait. This isn't gonna help. Just some surgical supplies. Il a tué ses parents. Non, il a pas tué ses parents. Hein. Ses parents, je crois qu'ils sont morts. Dans l'attaque zone. Enfin, on sait même pas s'ils sont morts, mais on pense qu'ils sont morts, ses parents. Ah oui, c'est pour ouvrir la cage thoracique. Excellent. I'll have these doors open in 2 seconds. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Hein. Putain, c'est solide. Ah, il se sent pas bien. Formidable. What, déjà? What? Ah putain, il se sent déjà pas bien. Mec, Duck, il a duré au moins une journée. What? Mais non! Putain, mec, on doit aller sauver Clémentine, là. Allez, là. Ils vont me défoncer. Kenny va arriver avec une brique, il va me défoncer le crâne. Ok. Ça doit être fait. Au début, dans la maison, c'était pas un de ses parents en zombie. Non, c'était sa babysitter, je crois. Ouais, c'est sa nounou. Stop! He's awake!
He's still bitten. Le mec, il allait me couper le bras. About trying to save him. At the very least, buy him some time. Mais gars, tu vas me couper le bras avec la scie à métaux, je vais mourir de d'hémorragie en fait. We don't know anything. We know there's gonna be a lot of blood. There's gonna be a shitload of blood. What if he dies? Then the rest of us go after Clementine and get the hell out of Savannah. Hey, I'm laying right here. Sorry. It's not really our call anymore. Yeah, no shit. If we take off the arm, and you don't die of blood loss. Well, maybe you won't die from the bite. Non, je pense que c'est déjà dans mon sang depuis bien longtemps, les enfants. Fallait peut-être faire ça, genre juste après, potentiellement, mais là, c'est mort. Non, tu veux vraiment, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien, je pense. Are you sure? Yeah, I feel like I got time. Just keep an eye on me. I get my hands on the bastard who's got Clem. I'm gonna be happy to have them both. But you're gonna die. Oui, c'est pas grave. Yeah, but not in here. You guys keep an eye on that door. I'll work on getting us out of here. Oui. No, this is what we're doing, and I don't want to hear anything else. Okay? Très bien. C'est moi mourir en paix. Je m'en bats les couilles. Bon. Est-ce qu'on a ouvert cette porte de merde? Excellent. Bah il y a une échelle, hein. Up we go. We're gonna have to go as quiet as possible and see if we can make it to an empty floor or even the roof. Sounds good. Mais vous savez même pas où aller en fait. Parce que la voix c'était pas Vernon. Nice and quiet, everybody. Donc ça se trouve. There's some light up there. Good. Gotta get my ass off this ladder. J'ai eu une mini crise cardiaque. Je vais pas vous mentir. J'ai vraiment eu une mini crise cardiaque. Bon, tu bouges ton cul, machin, ou. Watch out! That was fucking close. Everything okay up there? Just fucking peachy. Excellent! Excellent, excellent. Voilà. Heureusement que j'ai gardé mes bras, hein, parce que là j'aurais pas pu monter, hein, très clairement. Oh non, mais gars! Lee! Lee! Putain, Lee, oh god! Are you alive? Get up! Oui? Lee, il fait du trapèze. You have to pull yourself up. Allez, les abdos! Les abdos! Incroyable! Good job! Il y a des abdos! Gainage! Ouais, hashtag gainage, ouais, clairement là. On est clairement là-dedans. Penser à faire des abdos en cas d'apocalypse, c'est important. Des tractions aussi, c'est important. Fabula, vous êtes vraiment pas du tout coincé. C'est intéressant. Remember when Savannah was empty? Those Crawford bastards did one thing right, I guess. There must be thousands of them. They didn't follow us here, did they? It sure seems like it. That's crazy. They can't track. They just roam. Is it? That fucking train wasn't exactly discreet. Clementine's out there somewhere. Gobbled up in all of that. Look, let's get our bearings and see if we can figure out a way to make it across town. Good?
tu t'en es pris une gratuite. I don't think we can ignore what just happened to Lee. It's the bite. Just have to deal with it. You gotta let us know if you start feeling funny, you know? I know. C'était l'impression de vouloir nous bouffer. I'm all good. As good as you can be. Yeah. Good as I can be. Now what? We get down and we find a little girl out there. Right, pal? Now, let's get our bearings. Moi je suis très myope, donc en fait si je perds mes lunettes, je pense que c'est la fin, très clairement. On part sur une mort certaine. On va essayer de parler aux gens un peu. That looks like Crawford Square over there. Fuck that place. Did fix up our boat though. We get Clementine and get right back. Make sure she wears her life jacket, okay? C'est lourd en zombie, ça serait un peu flippant. She's not gonna want to. Ok, bon. Qu'est-ce qu'il y a à voir? It's an extension letter. He or she walked away from whatever accident happened. Well, that doesn't really mean much. Hospital must have run out of doctors. That's the church across the street from the mansion. River Street should be just beyond that. We need to head back that way. We'll stop off at the mansion, like you said, and make sure we didn't overlook anything. Yeah. Just need to figure out a way to get there. Ça va, Omid? Tranquille. What's up over here? Bell tower. That's what's up. Huh. Yeah. That could help. Oui, alors ça c'est une bonne remarque, Plageman. C'est une bonne remarque. Je m'étais fait la même réflexion en mode. Oui, t'auras des zombies plus forts, plus rapides, ouais. Mais alors à ce moment-là, enfin, ouais. Est-ce que t'auras des zombies genre plus intelligents? Genre, ouais, je sais pas. Un zombie asthmatique, clairement. Parce que parfois dans les films, ils sont tous genre hyper balèzes les zombies, alors que clairement, enfin... Je pense que si on prend l'échelle, ça peut potentiellement le faire. Attendez. Peut-être regarder en premier. Un zombie vegan. Ce serait incroyable. No way. It's higher than this roof for starters. Land of the Dead 2008. Sérieux? Land of... Ça me dit quelque chose. C'est lequel déjà? With the bell tower on this side of the hospital and the mansion over there, that might be our way off this rooftop. I can make it to that bell tower. I can draw the walkers down to that side of the hospital. There'll be thousands. Il y a un zombie raciste. D'accord, ok. The streets between here, the mansion and River Street, even if it's just for a few minutes. Vous savez, moi, si je me retrouvais vraiment toute seule et tout, je me demande dans quelle mesure je me débrouillerais pas pour genre me faire mordre un petit peu et genre attendre patiemment la transformation. Parce qu'en fait, moi, j'ai horriblement peur de me faire bouffer vivante. Donc je me dis, tu te démerdes pour genre te faire mordre. Voilà, tu te fais mordre, machin, tu retournes safe et tu... Pourquoi je peux pas bouger? Je comprends pas. Ben non, mais je le prends en fait. Bah, pourquoi je peux pas bouger? Ah oui, voilà. Ok.
Ah, excellent. Ça m'a l'air d'être très safe, cette histoire. The bells. Yeah. Could buy us some time. Draw as many as we can this way. Get down off the roof on the opposite side and bust our asses getting back to the mansion. What? You think you should be the one to go? My leg's feeling better. Let me do it. Tu vas mourir. If we have to decide who takes a risk like this, it should be the guy who's got the least to lose. C'est pas faux. What's the worst that could happen? I get bitten again? Tout le monde est très so gêné. We're agreed then. Moi, je me souviens d'un film où en fait le mec est soigné par le pouvoir de l'amour de zombies. Mais en fait, le film était pas si mal que ça. On l'a vu au ciné avec une pote. Mais c'était un peu cucu. C'était un peu drôle. Ça sent la glissade! Il y en a eu un. Holy shit, man! Are you okay? Ça va? Yeah. Nickel. I'm fine. Try to find another way out of there? Bah, tu vas sauter, non? Je sais pas. C'était pas. C'était Warm Bodies. Oui, c'était Warm Bodies avec Nicolas Hoult. C'était exactement ça. Il était pas si mal en fait ce film, mais il était un peu drôle en fait. J'ai trouvé un peu drôle. Je trouvais un peu sympa. They're coming this way. Tons of them. Jesus. Now get back here. Bah saute gars. Clairement. Tu sautes gars. Tu sautes. Tu fais comme machine là. T'en bats les couilles. Monsieur faisable. I think I have to jump. There's no way back. You can make it. It ain't that far. J'adore. You got this. You got this, mother. Allez, mec. You got this, motherfucker. Allez, allez, allez. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Je vais avoir un QT. Je suis sûr que je vais avoir un QT. Obligé, je vais avoir un QT. Je crois que je me suis rattrapé. Oui, excellent. Incroyable. Good goddamn leap, pal. Ouais, putain, gars, c'était ouh. Let's get the hell off this roof. 10 sur 10. 10 sur 10 au bac de sport. Ah, ils sont déjà... Il y a des ellipses un peu... Ils sont bas les couilles. Lee, il est en mode je m'en bats les couilles. Incroyable. Parcours, ouais, putain, ouais. Grave. Come on, please. What are you doing? Don't get mad. The boat's gone. No shit, it's gone. Relax. Ben, what happened? They were waiting for me in here. Who? Vernon, his whole crew. Was Clementine with them? No. He seemed pissed you guys lost her and, well, they took it. Gone. Bah oui, évidemment. Je suis même pas étonné. Je l'avais prédit. Je l'avais prédit. Hein, c'était dans les prédictions de Sparkly, hein, je vous rappelle. Hein. Voilà. I can't believe you didn't even put up a fight. Ben, je sais pas. Après, qu'il soit mort ou pas, ça aura changé. Hein. Let us into the backyard. We shouldn't be out in the open. Yeah. Ben, après ils étaient cons. Putain, Ben, tu t'es fait tabasser par quatre cancéreux, quoi. Ce sextagénaire. Putain, c'est bon. So we get Clementine and then what? We get the fuck out of cities. I'm done with cities. We go into the countryside and make a go of it. Vernon, il voulait vraiment prendre la gamine. Nobody asked you. You just did. Don't get fucking smart with me, Ben. Chill. Do you remember we had a boat? A boat. Worry about the boat after. Can scour the goddamn coast looking for. I'll make that bastard wish the cancer had got him. You're welcome to. Placé, ça peut être fatal, ouais. Just calm down for a second. Yeah, chill. Non, Ben, ferme ta putain de gueule. Par contre, ferme ta putain de gueule.
T'es vraiment, t'es pas genre le mieux placé pour l'ouvrir, clairement. Ben, I swear to God. What do we do without a boat? Ben, il va se faire défoncer à la première occasion. On peut aller à la campagne. Dicked around with cities and coastlines and boats too long. En plus, genre les vieux, ils vont prendre le bateau, ils vont avoir de l'essence, ils vont aller genre en mer, et ils vont plus avoir d'essence, et ils vont crever en fait. Enfin, c'est une idée de merde en fait le bateau. Enfin bon. Where the hell do you get off? I'm just saying we should all chill, not just you. Chill? Bandits? Hey, chill. Here's some pills. Vernon, chill. Here's our fucking boat. This isn't my fault. I can't point to one thing that's happened that isn't somehow your fault. Lee should have left you in Crawford. Fuck you, Kenny. Careful, guys. No, let him. I am so, so, so sorry about Katja and Duck. I am. And I know I fucked up. But stop pushing me around and stop wishing I was dead. No! You know how they die. You've said goodbye. I never got to see my family, my parents, my little sister. Do you get that? Aww. Your family is gone, but at least you had them to lose. Puis de coller une baffe après, peut-être. I never made it home. They could be alive or dead or walkers or worse, and I don't know. So give me a fucking break. Ben, il s'est fait pousser une petite paire de couilles pendant ces 5 dernières minutes. Oh shit, here they come. In the house. Mais il y a des barrières en fait, ils peuvent pas passer. Si? Ils peuvent passer? They shouldn't be able to get into the backyard, right? Maybe not. We can secure this place. Krista. Get on the windows in the front room. Check the boards. Got it. Kenny. Look for weapons. Gather anything you can find. Will do. Bitch. Ouais, ils ont laissé la porte ouverte en fait. Move anything you can up against the doors and windows. Got it. Omid. What is it? Front doors. Oh putain. Après tu t'en bats les couilles hein. T'as déjà été mordu hein. On passe vraiment. Ah, sympa. Lee, help! Cut their fucking arms off! There's gotta be a knife or something in there! Hurry! C'était vraiment un fils de chien en fait, hein, Vernon, non? En fait, c'était un pédophile. Take their goddamn arms off! Now what? Get ready to fight. This place seems sturdy to me. I think we're fine. Merde! Faut jamais dire ce genre de choses. Ah bah c'est pas Bri. C'est Bri. Y'a Bri qui est là. Regardez. Y'a Bri. Coucou. Incroyable. Guys, help me with this. A plus Bri. Ah, y'a plus Bri. Everyone get to the end of the hallway. Dommage, Bri, elle avait l'air d'être vraiment sympa. Mais je comprends pourquoi Vernon il est pas mort en fait. Parce que c'était un gros con en fait. Je me disais aussi, c'est marrant. Je me disais, ça respecte pas la règle des gens bien qui meurent ensuite. C'est parce que c'est un gros con. How many bullets y'all have? Gris comme le fromage, ouais. Ouais, c'est gris comme le fromage. Ils ont pas de fromage, les Américains. Ils ont pas le droit d'avoir des trucs fermentés, en fait. C'est interdit par leur loi. Ils ont donc des vies de merde, tout simplement. Ils arrivent quand? Ah, excellent. Me too! Fuck! Where do we go? There's no goddamn opening! Up! Go!
au moins. Here, I'm not good with these. You dropped it down there. Oui, c'est vrai qu'on a, ils ont pas droit au Kinder Surprise non plus. That could have gone better. Everyone okay? Lee's still bitten. Shut up. Okay. Je vous ferme ta gueule. Get out of here and keep moving. Tu casses les couilles un peu. Kid's right. We gotta keep moving. Think there's any chance we get Clem and catch up to those goddamn thieves? I don't know. Maybe. Well, we're not going out through this window. No latches, no roof access, and 30 feet straight down. Anyone have any ideas? I bet this guy would. He's got a resourceful air about him. Knock it off. Dixon Kent III. Industrial... Mead? Krista. Just trying to lighten the fucking tone. We need solutions, not stupid jokes. Okay. I'm sorry. There's gotta be another way. Check the floor for any other access, a vent, anything. Or we wait for the house to clear out and stick to the high ground. Oui, au mid c'est l'escalier. Je suis un peu d'accord. Okay? Yeah, yeah, I'm. Ah, il va crever. Il va crever. Il va crever. Oh. Oui, Clémentine, je suis là. Lee, get up! Did you hear that? Yeah, I did. What did that mean? She's at the hotel. She's tombé dans la Clémentine. Where her parents were staying. He hasn't moved her. Yet. Yeah. Yet. Mais we need to start thinking about more than just Clémentine when it comes to our urgency. What do you mean? How do we get out of here? That's the whole point. We don't know. Okay, now your life depends on it. How do you get out of here? I don't know. I don't get it. I do. Like I said, everyone needs to keep looking for a way out, damn it. We're trapped in here. How long you think we have? What? I don't know. Je dirais 12 heures max, hein. At least then there would have been a chance. Well, you didn't, and it's too late now. I think we need to have an adult conversation. About what happens if Lee takes another spill? Hey, look. We could be looking at a Larry situation here. Who's Larry? It don't matter. I think it'd be best if we just worried about getting to Clem right now. We're not gonna do her any good if you've attacked us. That isn't gonna happen. How do you know that? Guys, I don't know what happened before Omid and I showed up, but we can cross this bridge when we get to it. Lee, I'm not advocating anything here, but how is this not a thing? We're all so worked up about Clémentine that we're forgetting what the fuck happened to you. What if it was you, and it was Duck out there? Whoa there, friend. I bet you'd rather stay focused on the problem, not have people turn on you. This is getting out of hand. You're gonna listen to me. We will get Clémentine back, with or without you, because I haven't given up everything to die because we were stupid. Then kill me, you son of a bitch, okay? Don't even fucking hesitate. I will. Bon bah cool alors. You ruined that dude's face. Shut up, sweetie. Look. Il est drôle, Omid, en fait. Il est un peu marrant. It's corroded to hell. Bah voilà. What's on the other side of this wall? A 30-foot drop? No. This mansion butts up against the one next door. I'll be damned. We're not lifers on. This wall ain't shit. Is this really possible? Yeah, we can do this. La tête de l'amiante en bas, okay. Content, faites gaffe. We'll work in shifts. Omid, Krista, and I. Lee, you rest. We have to work fast. Sorry. Me too. I get it. Go sit down. Ah. I'm glad you told us when you got bitten. It would have been easy not to. Yeah. Well. We probably would have let you go alone if you hadn't told us.
which would have been a mistake. If I were you, I would have been scared shitless. I was. The fucking thing. Il y avait marqué si tu les, si t'étais moi, tu ferais 30 cm de plus. J'ai trouvé ça un peu méchant personnellement. Almost. His license was suspended twice. Just wham! Thing was on me. Never saw it. Like someone in your blind spot. Wish you would have taken it off. Don't think it matters much now. I'm losing a lot of feeling in it. Really? Yeah. It's hot, like when you break a bone. Tingly, like it's asleep. So when we get this guy, what do you think? Comme pour ces 30 centimètres d'ailleurs. We just get Clementine, that's the focus. Ouais, un peu prétentieux, ouais, ça me paraît un peu énorme, moi, 30 cm. Sure. J'ai perdu mon chat. Je retourne. L'appli est crashée. We'll do whatever it takes. And, you know, whatever happens to you, Seriously, can we not talk like that? The entire time we were at the hospital, I could sense you think you're as good as dead. I'm bitten, Krista. We all know that's a wrap. Okay. There's gotta be something. I want you guys to take her. Stop it. I'm serious. She'd be safe and relatively happy with you two. J'aime beaucoup le relatively happy. Avec, listen to him. It's what I want, okay? What about him? We gotta support him. He's only a kid still. It's easy to forget that. He loses shit like that often? No. That was a first. It's good that he did. Kenny couldn't pull that shit on me. Kenny's been horrible to her. He blames Ben for his family's death. Franchement, moi je pense qu'il serait mort quand même. Parce qu'en fait, s'il avait pas filé les médocs, bah les mecs ils seraient venus, ils nous auraient défoncé quand même. Donc en fait. I'm out of gas. You look good and rested. Sure. If you don't count an infected leg. You want me to do it? Nah, hon, you can hop in after me. Franchement, elle a l'air assez balèze et assez genre ok. Shouldn't be long now. It's good we're forced to take a breath. I still can't believe you went and got chomped. Just fucking hell. At least he told us. Took some brass. I don't think I would've. How are you? I don't know how to answer that. I'm sorry. You've lost more than anyone. It'll be all right, kid. Why are you acting like what's happened ain't happened? Anyway, I appreciate it from both of you. A lot of us have lost families. Maybe take it easy on him from here on out. I'm angry as hell. Not at him. Maybe. Maybe not. You heard him outside. I did. I never really thought about it that way. Il y a de l'alcool. Waouh, incroyable. This guy tell you much about what we've been through? Bits and pieces. Before y'all, we had this woman, Lily, with us. Lord knows where she is now. Whip, anyway, Lily. We had to make some tough calls with her dad. She came between Lee and I pretty good. And I spent a lot of nights hating this guy's guts. After everything. He's still a bastard, you know, kid? Been hearing that my whole life, Doc. Well, cheers. Tu peux en prendre une petite rasade, hein. Je pense que ça te fera pas de mal. Lily, putain, ouais. Ouais, tu es Carly. RIP Carly. C'était la meilleure. Elle est enceinte. Elle s'en bat les couilles. I'm through. No walkers. Things are looking up.
Oui, je sais pas trop très bien quelle est leur technique pour. Oui, oui, je suis d'accord avec toi, Abuse, mais bon. Everyone keep a goddamn eye out. Pourquoi mon chat déconne complètement? This place seems pretty sealed off. Well. Ah, excellent. Peut-être prenez le flingue, ça pourrait être une bonne idée. Let's keep moving. Gotta go. Mais non, mais en fait, je me déconnecte du chat. En fait, je comprends pas pourquoi. We've seen so many people. Je peux pas vous voir. I don't know why these ones break my heart. Bougez pas. C'est bon, je reviens. Hop, voilà. Reviens à la fenêtre. What's heartbreaking is not giving yourself a chance. It's what Katja did. You did everything you could. No, Lee. She left me. A son. People that cared about us. I forgive her, but... Don't make it any less wrong. C'est vrai qu'elle s'est suicidée. You don't just end it because it's hard. You stick it out and you help the folks you care about. Les mecs sont en train de parler de Keketh alors que vraiment, vraiment. Let's figure a way out of here and get that little girl. We should move. Yeah. Got at least one shot left. Let's clear the room before we move on. Lee, figure out where we're headed. Ok. Par contre, je vais pas vous mentir, je commence un peu à fatiguer. Donc je vais potentiellement potentiellement m'arrêter. Je suis vraiment fatiguée là, donc je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter là. Je vais peut-être pas le finir aujourd'hui. Arg. Oui. Oui, je sais. RIP. Quand est-ce que je pourrais le finir? Parce qu'en fait, j'ai envie de le finir un peu cette semaine. Je pourrais peut-être potentiellement le streamer. On est quel jour? On est quel jour aujourd'hui? Attendez. On est le 23. 3, 24, 25. Mercredi, je fais du Witcher. Ouais, je sais pas. Bon, peut-être lundi prochain. Sinon, je fais ça lundi prochain et ça sera la dernière. Avant la pause d'août et de reprendre à la rentrée. Je ferai ça. Je pense que je vais... Tu auras tellement de choses. Je suis vraiment fatiguée. En fait, j'hésite un peu. Est-ce que... Ok. Est-ce que je suis très loin ou pas? Est-ce que, genre, je suis méga loin? Parce que si, genre, j'ai plus qu'une demi-heure de jeu, je le finis, en fait. Ça me va. Toi, tu parles de faire... Il me reste vraiment pas grand-chose. Ok. Ok. On va faire un truc... Je vais faire une mini pause. Genre, je vais aller pisser, globalement. Je vais aller pisser. Je reviens, vous ne bougez pas, ok? Je vous mets même le petit truc de pause. Je reviens, ok? Et on va le finir. Thank you.
c'est moi. Ok, allez enfants. On est à fond, on va le finir, ça va être terrible. Il va y avoir des pleurs, des larmes. Voilà, ça va être incroyable. Ah. Je me lève à 6h30. Ah. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Par contre, les phases un peu point and click vont vraiment me saouler, je pense. Je vais dire, oh, je m'en bats les couilles. Parce qu'en fait, je pense qu'avec la fatigue, je vais de moins en moins être genre diplomate et compréhensive. Ça va être complètement incroyable. Je vais parler à Kenny. Kenny, en fait, on oscille vraiment entre... Don't ask me how I'm doing. Let's just keep going. Kenny, c'est vraiment... On l'aime bien, mais il est chiant, mais... Il avait l'air vraiment triste quand je lui ai dit que j'étais mordu. Franchement, ça m'a fait un peu plaisir, en fait. C'est-à-dire que, bah, il m'aime bien, en fait. Ce qui est quand même plutôt cool. C'est sick, mais... Think of all the pain they avoided. Elle va le finir, là, Before the Storm. J'avoue, Before the Storm, j'étais vraiment en mode bel et couille. Mais parce que Before the Storm, c'était chiant, tout simplement. Non, c'était un peu chiant. C'était pas incroyable. J'ai fini parce que je l'ai acheté. Yeah, Lee. Je l'ai fini. I just want to help. What do you call this thing? Art? Bon, on y va, non? Might be the way out. Va falloir sauter. Ça va être sympa. Nothing other than personal items in here. Looks like we can stay off the streets all the way to River Street if we're careful. Let's go. Go ahead. Ah bon. Tu te barres, c'est le? Bon bah. Ah non, c'est Eretria qui se barre. Alors, je le dis, je vais tout mettre, je mets sur YouTube, hein, donc voilà. À part si... Enfin, ça devrait faire. Kenny va tomber. Moi, déjà, je pense que je serais morte, là. Bon, je serais morte depuis bien longtemps. Kenny va tomber. Ben, il va tomber, ce con. Et c'est même pas en plus sa faute. What? Ben il est mort. Oh le pauvre. Me and my fucking mouth. Holy fuck. What are we gonna do? Bah il est mort là. Qu'est-ce qu'il fait? Mec. Kenny and I can handle this. Dude, let me help you. You're already non, hurt. Non, non. Even more non, reason we all don't need to risk it. You worry about crever. Her. And if ah, all putain. This goes bad, you might be Clementine's last hope. Et je pense qu'il est mort en fait là. Il s'est pas empalé sur un truc ou... Oh là 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 là. Ça a dû faire un raffut, mon gars. I'm okay. I'm ok. Non, t'es pas ok, gars. T'es clairement pas ok. On part pas sur un ok. I'm ok. Just get me out of here. Shh, ta gueule. Quiet, Ben. Or they'll be on top of us. Yeah, try to keep your mouth shut. I'm sorry. Just get me up. My legs hurt, I think. We're gonna get your ass up. Really? I thought you... Ça va être tendu. Ça va être tendu. What is it? I'm okay. I'm okay. Il va crier ce con, il va crier. We can get you up. We can Ow! Oh! Oh! Il est mort là, il est mort. Je pense qu'il est mort, mec. He's screwed. He's not screwed. He can't die down here. What do you want to do, Ken? We can't. Non mais c'est mort, il est mort, laissez-le, enfin, il est mort, vraiment. Fuck. Cosplay Apéricule.
Franchement, ça va. Oh god, don't let them get to me! Bah, finis-le, Kenny, finis-le. Tu. Bah, une brique, peut-être, une brique, un truc. Faites quelque chose, les enfants. Do you have any bullets left? This has only got one left in non, it. Non. I'm out. Shit. Get the fuck out of here. What? Go back. Mais she non, needs you, Lee. Mais Kenny. This is not a discussion. Mais qu'est-ce que tu fous? Hell no, man. I'm not leaving. What did I just say? Let's get Ben and get out of here. Il est mort. Mais il est mort, en fait. What? Mais qu'est-ce qu'il fait, ce con? What the fuck, Kenny? Qu'est-ce que tu fais, Kenny? Lee, it's okay. Mais non. No, Ken. Mais j'aurais dû dire Katia ne le voudrait pas. Katia ne le voudrait pas, j'aurais dû. It's just something I gotta do. You know that. Mais non, tu sais pas. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que tu fais, Kenny? Go get pourquoi t'as fait girl. Ça? Back, you sons of bitches! Yeah, damn it, Kenny! God damn it! J'aurais dû lui dire, j'aurais dû lui parler Kenny, de sa femme. Ok. On est d'accord qu'il vient de se faire manger pour rien, là. Non mais en fait, enfin, j'ai pas compris pourquoi il s'est sacrifié là. Parce que Ben, il était mort de toute façon. What happened? Donc, ouais, je comprends pas. J'ai pas compris en fait pourquoi il a fait ça. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Mais non mais en fait, pourquoi il s'est suicidé ce con? I couldn't do anything. Ben was really messed up. Kenny couldn't leave him and it was just fucked. God. Il s'est foiré dans son cul. Damn. God. Mais je comprends pas en fait pourquoi il a fait ça. Parce que Ben, il était mort de toute façon. I heard a shot. Au pire, et Kenny made sure that Ben didn't feel any more pain than he had to. C'est ma faute. What? En fait, j'aurais dû laisser Ben mourir et Kenny serait pas mort en fait. C'est ça. Kenny est mort parce que j'ai laissé Ben vivre. Et en fait, ils sont morts tous les deux. C'est voilà. Voilà. En fait, si j'avais laissé mourir un truc, tu vois? You saw them die. Nobody was getting out of there. I'm sorry, Lee. He did what he had to, all the way to the end. C'est ta faute, Sparkly. Merci, Plageman. Ça me fait plaisir, ce soutien. Excellent. We should go. Nous ne sommes plus que trois. Right bon, après, Kenny, je pense qu'il était complètement suicidaire, en fait. Hein. Là, clairement, il s'est dit, bon, bah voilà, on va mourir, c'est bien, c'est mieux. Bien. Excellent. Ok, le tour, putain. Do you want to talk? Pas vraiment. Kenny was my friend. Soon as someone dies, they don't immediately have to have their sins forgiven. He was what passes for a friend now. I understand. Look, Lee. Ouais, this is a shitty ouais. time. Ouais, but clairement. I want to clear something up. What is it? Now with Kenny. Gone means Omid and I have to stay safe for her. You guys would be great for her. Keep her safe. We do our best. You know that. Are you okay? I should be asking you that. Before, in the attic. It's nothing. What's nothing? Let's just keep moving. Mais elle est enceinte, putain, c'est obvious, quoi. Be careful across here. Ah, vous y allez à deux, vous. Les mecs, ils y vont à deux, ils s'en battent les couilles, quoi. C'est risqué. Je vais tomber, tu vois que je vais tomber. Alors que eux, ils sont passés à deux, tu sais.
Ah non. River Street's just up ahead. Vraiment le moment inutile juste pour te faire flipper et te dire ah, tu vas peut-être tomber. Ah bah non. Whoa, en fait. Careful. Si elle est enceinte, elle doit avoir du bon sens. Jessica, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi? No, they don't. I didn't mean. It's fine. Let's go. Kenny qui s'est suicidé pour rien. En plus, le mec s'est énervé contre le couple qui s'est suicidé sur le lit. Et le mec est là, oh, je vais me suicider, je m'en vais les couilles. Ah. Bah, il nous faudrait Molly là. Marsh House Hotel is around the corner of the block. Ça va être tendu, hein. Well, at least it doesn't look like a death trap. Au midi, il est un peu drôle. Who's going first? You're the lightest. He's got a busted leg. You're walking for two. I'm obviously not doing so hot. Excuse-moi. Il y a Phoebus en caleçon qui vient de passer le sam. Vous allez en premier. J'y vais en. Vous allez en premier. You two should go across first. You're the lightest, Omid. I'll follow right after you. Bah oui, Omid, c'est les Sky Game. Par contre, crève pas Omid, parce que je pense que machine elle va péter un câble. Hein. Les mollets. Là, on voit plus que les mollets. Hein. Enfin bon. I didn't doubt it. I appreciate it. How are you feeling? Good enough. Il a une petite mine, hein. Il a une petite mine. Ah, il est passé, Omid. Nickel. Krista, you next. Oh, les cristaux, elle va gérer. Moi, par contre, je pense que je vais tomber. Moi, je pense que Lee va mourir avant de pouvoir aider Clémentine. Et que c'est Clémentine qui va se débrouiller toute seule. Shit! Shit! Allez, elle est vivante! Dis-moi qu'elle est vivante! Putain, les gens sont hyper athlétiques dans le jeu quand même. Hein. Bon, par contre, toi, ça pue du cul. What are you gonna do? Je fonce. I'll figure something out. There's not a ton of options. On voit les trois mollets. Fuck it. I'm going for it. Going for it? What does that mean? Dans mes couilles. It means I'm already bitten. I just have to push my way through. What the fuck? Ah, ils sont dans mes couilles. Find me when you get down. What the fuck does that mean? It means what it sounds like. Hotel's around the corner. Find Clementine and me as soon as you can. You're crazy! There's no other way. Il s'en bat les couilles. Il a plus rien à perdre, il s'en bat les couilles. Allez! Il est fifou! Il est tout fifou! Il va y avoir du QTE, les enfants. Et je suis pas en forme. T'es pas dans la matrice, Néo. J'avoue, putain. T'es clairement pas dans la matrice. Tu veux pas, genre, te couvrir de trucs et faire... T'es genre... Tu vois. Excellent. Il s'en bat les couilles, il s'en bat les couilles. Allez, c'est parti. Le mec, il va nettoyer la ville en fait. Gourou.
Oh 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 oh. Incroyable. Bah, t'arrêtes pas. T'arrêtes pas, gueule. C'était smooth, voilà. Mais en fait, ouais. C'est qui ce mec? C'est qui ce gars? Pourquoi il a enlevé spécifiquement Clémentine? Enfin, je comprends pas très bien en fait. Il y a un piège, manifestement. Je teste l'appli de bureau Twitch. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Tava. Je comprends pas très bien. C'est qui ce mec? I got us adjoining rooms. Mais t'es qui, gars? Hello. Okay. This is Sybil. You look horrible. Merci, toi aussi. Go over there. Mais pourquoi tu casses les couilles, en fait? Y a un truc zombie. Pourquoi tu, genre, fais chier les gens? Put your things down. Let me out! Who's out there? Quiet, please, sweetie. Your things. There. Il a une raison, je pense, de me faire tout ça. Est-ce que ça serait pas genre un mec qui est lié Just be cool. Do I not seem cool? Un mec qui est genre lié à au mec que j'ai tué, peut-être, potentiellement. Good. Go. Genre son frère ou le mec qui était, il y a une apocalypse zombie, mais genre il veut toujours me tuer. Parce que c'est comme ça. Do you know who I am? Non, je sais pas, mais je pense que... No. I don't know anything about you. Tu es le frère you du gars. People like you don't. Je crois qu'il est relié à... Who would have it out for me, huh? A few weeks back, there might have been a station wagon in the forest, full of all sorts of food. Water. Things you need to survive. Ah, moi j'ai rien pris, hein. I'm not some cannibal, Lee. Some killer out in the woods. Some villain. I'm just a dad. PNJ le plus random de la planète. Putain, ouais, grave. I didn't take from you. Your people didn't. I didn't agree with it. That's what Clementine said. Why didn't you? It wasn't right. It wasn't our stuff. That's real good of you. Bah oui, look, pourquoi tu... Donc en fait, tu me casses les couilles depuis le début pour un truc que j'ai pas fait, en fait. Très bien. Formidable. Excellent. I don't want you to say anything. I want you to know what happened. T'as fait tout ça pour ça, gars. Have you ever hurt somebody you care about? Oui. Yes, of course. Who? My wife. Clementine said she wasn't with you. I heard her a long time ago. How? In a lot of ways. She traveled for work. I didn't like that. I wanted a family. A reasonable thing to want. So we fought, and it made my biggest fear come true.
Got sick one day on my way to class. Canceled it and went home. Found her there with someone else. Killed him. I was mad at her for so long. Mais en fait, monsieur, tu me... Est-ce que... Parce qu'en fait, toute cette situation n'a vraiment aucun sens. La fin n'a pas de sens. Kenny qui meurt et le gars... Enfin, je suis désolé, mais là, je... En fait, tu veux faire quoi? Tu veux tuer Clémentine? Tu veux faire quoi? Parce qu'en fait... My son Adam went missing. Je comprends pas. I took him out hunting even though my wife said he was too young. I figured he had to learn. Oui, oui, oui. I came back without him and the look on her face said, "You are a monster." We all went out looking for him. Salut, computer addict. We never found him. I hurt her so bad. Première fois, ouais. And then we came back. Attends, j'aurais pu sauver Kenny ou pas? Was gone. Attends, Kenny, il s'est suicidé, quoi. That asshole in the ball cap, his stupid fucking wife. I could have earned her trust back if they hadn't made our situation so desperate. What? I'm sorry. The hungrier we got, the more she blamed me. Until she finally took our daughter Elizabeth and left. Et c'est son fils? Excellent. They didn't get far. I found them a day later in the road. Do I look like a monster to you? Tu m'as l'air d'être un mec un peu... We all do. Some more than others. Un petit peu bizarre, est-ce qu'on I'm peut le dire? Like you walked a little girl into a dairy full of sick people and let them get their hands on her. Non. I was trying to find someplace safe for her. You abandoned a defenseless, grieving woman. I wouldn't do that again. How many times did she almost die with you? You wouldn't have done better. That is exactly what I would have done. Mais en fait, pourquoi tu casses les couilles? C'est parce que tu es fou en fait. Ça, pff, moi ça me fatigue. Tu me fatigues. Toute cette situation, ça me fatigue. On s'en fout. On s'en bat les couilles, putain, on s'en bat les couilles. T'es fou. Putain. You're a monster. You're a murderer and a thief. And I'm gonna hurt you so bad. What? Mais pourquoi moi, en fait? I didn't steal from you. But think of everything else you did. Mais ça va, en fait. After I found Clementine on my radio, I wasn't even mad at you. I was coming for the others, for revenge. But the more I heard about the things you did, mais on a fait quoi? Enfin, ça va, c'est bon. Our plan changed. Lee, listen to me. I need you to hear this before what happens next. I can take care of her. Non. We can have a family. Clairement. I bet you don't even know how old she is. She's 8. Wrong. She's 9. But... Her birthday was 6 days ago. I know how to be a dad, you know. Mais on s'en bat les couilles, en fait. She wouldn't be exposed to what she has been with you. Look, I was bitten. You were what? Yeah. I probably don't have a whole lot of time. Wow. Okay, then. I'm sorry again. En fait, je vois pas ce que Lee a fait de vraiment horrible depuis le début. Je me suis quand même efforcé à faire des choix plutôt sympas depuis vraiment le début. Et... Hey, honey. I think this is all gonna work out. Ah, il a pris la tête. Il a pris la tête. I'm glad too. Il a pris la tête. Il a pris la tête. I wish you wouldn't have had to get this bad, but it's all over, honey. De parler à la tête. Isn't it? Just about. I hate seeing you like this. I just miss your smile, honey.
I miss you so much, Tess. You're gonna like Clementine a lot, though. She's not Lizzie, but she's sweet. Il a la tête de sa femme. Il a la tête de sa femme. Oh, c'est sec. Il parle à la tête de sa femme dans un sac. M'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Je vais te défoncer. Tout est de ta faute, Kenny, il est mort à cause de toi. Je m'en bats les couilles. Tu vas crever. J'arrête pas d'appuyer, mais je sais pas s'il faut toujours appuyer. Ah, c'est bon. Ah, putain. Le mec parlait à la tête de sa femme morte dans un sac. Excellent. En plus, il m'en voulait alors que j'ai rien fait d'horrible, en fait. Mais je vais pas le tuer. He could come back. It's okay, sweet pea. We're leaving. Good. Et là, boum, il revient. I'm sorry. Shh. It's okay. Ah, fun fact, je me suis fait mordre. Et là, boum, il s'est relevé. Non? Ah non, ça va. You look horrible. Merci. That's what he said. Let's just get somewhere safe. You don't smell good. Yeah, I know. Did he hurt you? No. Not really. Not really? I'm sorry, Lee. Clem, it's okay. We need to get you somewhere safe. On parlait quand même d'un gars qui est allé à la chasse avec son fils, okay? Et son fils lui a dit, yeah, qu'il était un monstre. Everything's okay now. Enfin bon. Manifestement, il tapait sur sa femme. Et il se barrait avec la tête de sa femme dans un sac. Excellent. I'm sorry you had to see that. He was going to kill you. And take you. Yeah. Sa femme lui a dit que c'était un monstre, mais je sais plus. On peut pas prendre genre un couteau, non, on s'en bat les couilles. What the fuck? Don't look in there. Ouais. I know. Excellent. Bon. Leads to the other room. There's nothing in there. Ah, il est revenu sans son fils. Yeah, ok, j'avais pas compris. J'ai pas compris trop ce qu'il disait. Désolé. Ah oui, il est revenu sans son... Ok, il est revenu sans son fils. Il est revenu sans son fils, mais pourquoi il est revenu sans son fils? Parce qu'il l'a mangé? Ouais. Which way out? Through there. Ok. Excellent! Bah, fais quelque chose, gars! Très bien. It didn't bite you. Bah non, yeah, parce que... Hein. I know it. Buster. You're covered in all that gross stuff. Il a pris pour une galinette sans vrai. Ouais. That's how we'll get out of Savannah. What? Ah! Ils vont faire la fameuse technique! Incroyable! J'espère que vous êtes prêts. Ça va être incroyable. Oh non. Regarde pas ça, Clémentine. Regarde pas ça, meuf.
vais malheureusement être obligé de te mettre des intestins autour de toi. Je suis vraiment navré. Ah putain! Je suis vraiment désolé, Clémenti. Je suis vraiment désolé. Ah la vache. Ah, c'est pas très vegan tout ça. Hein. Ah putain. We'll get you cleaned up as soon as we can. Not soon enough. Are you done? A little more. I want to be sure. Ça va nous faire une adulte équilibrée. Ouais, hein. Clémentine, mais je pense que 100 ans de psy, ça serait pas suffisant en fait là. I hope so. And you're missing something. I thought it was gone. Mais non. I thought you were gone. Thank you. Oh, that's trop cute. Stay right next to me. Je vais me repasser après le truc parce que j'ai pas compris en fait le gars. Je comprenais. J'ai à peine lu ce qu'il disait en fait. Il me saoulait tellement que j'ai à peine lu ce qu'il disait. Donc là, Clémentine, tu fais agro grou et tu marches un peu genre. Et tu es vegan. Non. Je suis végétarienne, mais je suis pas vegan. Ah, gros gros, gros gros. Ah, gros gros. Ah, il va se mettre à pleuvoir comme dans la série. Incroyable. Les légumes, sa passion. Les légumes, les fibres, boire beaucoup d'eau. Manger des légumes, les enfants, c'est important. Des fruits, un peu aussi. Ça apporte des bons sucres. Pensez à manger des noix aussi. C'est, y a du bon gras. Et des volets. Il va pleuvoir. Bien sûr qu'il va pleuvoir. Évidemment qu'il va pleuvoir. Vive les blettes. C'est dégueulasse les blettes par contre. Moi je sais pas à quel moment les gens se sont dit ah c'est bon les blettes. Non c'est dégueulasse les blettes. C'est comme les endives. C'est pas bon les endives. Hein. C'est sa mère. Hein. C'est sa mère. C'est sa mère. C'est ses parents en fait je pense. Voilà. C'est ses parents. Ah, il va se transformer. Excellent. C'était vraiment le bon moment. Le tempeh, c'est trop bon. Alors non, c'est faux. C'est un mensonge. On a essayé ça ce dimanche, c'est pas bon. Hein. Non, non, on a essayé de faire du tempeh sous forme de lamelle. Genre en mode, please, no. En mode bacon, et c'est pas bon en fait. Non, non, c'est pas bon, je suis désolée. Hein. I was so scared. I thought you left me. Franchement, le tempeh c'est pas ouf. Hein. Je suis pas genre. It's a good thing. Lee, they're dead. They really are. You know, you're gonna be sad for a very long time. But you know what happened to them. Faut le faire bouillir avant, c'est tout. 10-15 minutes. Bon, en fait, il était juste cuisiné en fait. Okay. T'avais juste à le faire frire pendant 2 minutes de chaque côté quoi. C'est pas ouf, mais peut-être qu'il était pas très bien cuisiné. We can't. There's thousands of them outside. We have to. I'll protect you. We'll push them. No, that's crazy. I saved you. We're safe here. I locked us in. Get that door open. I can't. Do it. Comment elle a fait pour nous traîner jusqu'ici? It was only a little open when I found it. I closed it to keep us safe. Pull on three. One, two, three. Allez, Lila, qu'est-ce que tu nous fais là? Si. Clementine, honey. Ouais, la gamine, elle a traîné le lit. What happened?
No, 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 that's not... No, 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 no! Yes, Clementine, No. It's gonna be okay. You are gonna be okay. We just have to think and work together. Okay. Putain, Lee va se transformer, ça va être horrible. I think there might be a way out over there. 9999. Good. Good girl. Let's go. I might be a little slow. I'll help you. Oh. Tu es tellement mignonne, Clémentine. Eh, Lee, t'as pas intérêt à te transformer à la bouffer, hein. Truc horrible, tu sais. Il se transforme, il la mange. I got you. You can lean on me if you have to. I'm okay. I'm okay. I thought I was helping by bringing you in here. Bah, tu ne pouvais pas savoir. Oh, you did, honey. It's awful out there. But they want to chew me up. Non, il t'aurait pas mangé. I don't know how you did it, but you did good. Okay? Comment elle a fait pour tirer un homme adulte de 80 kilos? We're almost there. Comment elle a fait ça? C'est pas possible de faire ça. Enfin, je veux dire, 8 ans, t'as 9 ans, t'as pas... Get up, Lee! The door is right here! Il faudra que tu ailles toute seule, dès Clémentine. Allez, Lee! Oh, putain! You have to! Liam, I can't move. This is it for me here. Please, please, try to get up. Non, Clem, il va falloir que tu ailles toute seule, ma chérie. Ça, malheureusement, ça va être... Non, je pense que c'est bon. I can't. You don't have much time. You gotta do something fast. Like what? Ouais, le Ledawan, c'est bon. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup le Ledry aussi. Il faut que tu partes. You need to get out of here as soon as you can. I can't leave you. Let go, go. Just work on getting out, okay? We'll figure it all out. Don't worry. Just start by getting that door open. It's locked. It's no big deal. It's just a glass window. Y'a un mec. Not with your hand. There's a baseball bat under the counter, Clem. You can use that. D'ici le matin, c'est la vie. Je suis d'accord. Moi, j'aime bien les flocons d'avoine. Avec du lait de riz. Vous buvez du lait de coco. Bah oui. Pourquoi? Use the bat to shatter that window so you can reach in, okay? Okay. Bah non. Watch out for broken glass. Good job. J'adore la noix de coco. C'est incroyable la noix de coco. Don't be afraid of him, honey. L'eau de coco, c'est incroyable. Smart. He is it. You're smarter than all of them. J'ai l'impression qu'il est bloqué en plus. We'll get you in there. Don't worry. You're doing good. The way out's through there, Clem. I know. Come on. Ah. Bah, comment tu... Ah. Grab the chair, Clem. Use it to reach in. Non, en fait, c'est pas du lait de coco. C'est... Je crois que c'est du... Je pense que c'est du lait de riz et genre il rajoute du lait de coco, enfin il rajoute de l'eau de coco, enfin bon, je sais plus trop, mais c'est pas du lait de coco, enfin bref, je sais pas exactement ce que c'est, mais il y a marqué lait de coco dessus, ok. Open it. He's trapped. This will be easy then. He's got. Ouais, c'est peut-être du lait de riz coco, c'est possible. There are handcuffs on the ground. Get them.
Okay, Lee. Lait de coco pour l'écurie. Ah, c'est bon ça. Oh, il va s'attacher. You have to handcuff the walker. You can kill it easy then. I don't know, Lee. You can do it. Just be careful. Move around the side. Jump away if he gets close. Ouais. You can do it. Ouais, je sais pas, hein. C'est vrai que tu peux essayer de le tuer comme ça. What should I get first? Get the gun, then. Always the gun. J'espère que c'est là une bonne idée. Ah merde! Ah! Il va la tuer! Il va la tuer! Non! Get him! Get him! Kill it! You have to kill it! Ah non, il va la tuer! Il va la tuer! Il va la tuer! Ah! Watch out! Ah! Ah! Non! Allez, putain, Ali, casse pas les couilles! Allez, Lee, là, rends-toi utile un peu. Wouah, putain, mais meuf, t'as fait du MMA ou quoi, là? Cette gamine a plus de force dans les bras que moi. L'armine coming. O'Brien, mais putain! I did it. I got him. Je suis dans mon trou pour chialer. Je crois que c'est le moment émotion, hein. Attention au lapin. You're strong, Clem. You can do anything. But I'm little. C'est pas grave. That mean nothing. You go see bad stuff, but it's okay. My parents. It's so horrible. I can't imagine, sweet pea. And now, you? Please. Please don't be one of them. Please don't become a walker. There's only one thing you can do. You know that. C'est parce que tu n'as pas d'âme, Eretria. I don't know if I can. Faut que tu me tires dessus. Non, tu vas me laisser. On va pas demander à la gamine de nous tirer dans la tête, hein. Je pense que c'est pas très très sympa. You'll be just like them. It's okay. It won't be me. Oui. Clem, it's time to go. You gotta get out of here. You can come with me. Il fallait tirer? No, honey. What? I can't. C'est mille fois plus émouvant. Please. Non. You have to go now. Maybe. Mais non, maybe, mais non, c'est horrible. Maybe I shouldn't let you. Franchement, j'aurais tiré. I don't want you to have to do that. Vous allez... Non, mais attendez. Tu vas pas demander à la gamine de tirer une balle dans la tête, ça va pas ou quoi? Non, mais ça va pas, hein. Pourquoi tu tires pas? C'est comme avec Larry, honey. He was going one way or another, but at that moment I couldn't do more violence. You have to be careful about that. It'll consume you. I'll go. I'll leave you. Oui. I'll go as fast as I can. And as safe as you can. Pourquoi tu laisses Lee en zombie? C'est horrible. Mais je vois pas ce que ça change en fait. Trouve Omid et Krista. Find Omid and Krista. They're probably looking for us right now. Stay on high ground. Vous préférez pas que Clémentine ait des balles au cas où elle est vraiment dans la merde? Non, vous préférez pas ça. Lee est en zombie. Bah Lee, il est en zombie. Voilà, il est mort. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà, il y a plein de gens en zombie. Il y a un moment, faut arrêter. Faut arrêter, hein.
Il va bouffer des gens. Et il sera peut-être très heureux. Laissez-le tranquille, il aura peut-être des potes. And always keep moving. You're gonna want to find some place like the Motor Inn, but that's just not safe. Why not? Those places are just targets. Move as much as you can. And also. Bon, par contre, barre-toi peut-être, Clémentine. Hein. Là, il va mourir. Et also, barre-toi. What is barre-toi. It? No, don't worry. Alright. You'll be okay. Faut y aller là, par contre, hein. Parce que le monsieur, il va se transformer. Hein. Donc, faut pas... T'imagines, ils auraient fait une fin où tu te transformes et tu bouffes Clémentine. Un truc horrible. C'est vraiment là, la fin. J'arrête le jeu vidéo, quoi. Elle va peut-être tirer, hein, vraiment. Mais... Moi, je lui conseille pas. Don't go. Meuf, faut vraiment y aller par contre, je pense. Vous savez, il y a plein de gens bien qui sont probablement zombies et qui méritent d'avoir une balle. Les parents de Clémentine, ils méritent d'avoir une balle, etc. Plein de gens méritent d'avoir une balle, mais moi je préfère penser que bah je préfère lui en laisser, quoi. Salut Clémentine, t'es une bonne petite gamine. C'était la meilleure d'entre nous. Par contre, là, il est mort. Donc, barre-toi. Allez, barre-toi. C'est une sacrée vie de merde qui commence. Putain, j'avoue, grave. Elle ouvre la porte, se fait bouffer. Ah, c'est la fin! Excellent! Excellent! C'est la fin? C'est genre la fin, là. Là, c'est la fin. Il y a, genre, il n'y a pas de musique. C'est la fin. Il y a zéro musique. Vous avez mis zéro musique, bande de bâtards. Alors... Oui, 20% des joueurs a gardé le bras. Ah donc, il y a des mecs qui ils ont coupé le bras. Ouais. Vous, 75% des joueurs s'est emporté. Oui, 20% a gardé quelque chose. A tué le ravisseur de Clémentine. Bah oui, on l'a tué. Évidemment qu'on l'a tué. Un jour, a dit à Clem de partir. Ok. Alors, tu as défendu son fils au drugstore. Tu l'as convaincu de ne pas ignorer son fils. Tu as tué son fils. Mais en fait, Katia, on pouvait la sauver. Ça semble dire que c'est pas fini. Ah oui, ok. Il y a une scène post-générique, ne skip pas. Ok, d'accord. J'ai une question. Est-ce qu'on peut sauver Katia? Parce qu'en fait, à un moment, je sais qu'il parle d'avoir un flingue, Katia et elle. Non, tu peux pas sauver Katia. Ok. Ok. Il y a des gens... Alors, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont gardé Lily après qu'elle ait tiré une balle dans la tête de Carly. J'aimerais qu'on m'explique ce choix, par contre. Je comprends pas très bien. Quel est l'intérêt de la garder? Parce qu'elle est complètement cinglée. Parce que... Moi, je m'en bats les couilles, en fait. Elle est folle. Tu l'as laissée à la charge de Clem avant Crawford. Vous avez été sérieux. Bon. Est-ce que j'aurais pu sauver Kenny? Est-ce que, si j'avais tué Ben... J'aurais sauvé Kenny. C'est une vraie question. Si tu la gardes, elle se barre avec le RV, cette bâtarde. Ok, super, donc non. Très bien. Excellent. Je regarderai après si on peut sauver Kenny. On peut pas te répondre maintenant. Ok. Ben a fait une chute mortelle à Savannah.
Tu as sauvé sa vie aux dépens d'une autre, elle a été tuée par Lily, tu l'as défendue contre les accusations de Lily. Putain. Tu l'as rencontrée pendant ta pire journée, tu lui as montré ta morsure, après la séparation, tu leur as dit de trouver. Ok. Après la séparation, tu leur as dit de te trouver, tu as demandé à Omid et Clem de s'occuper de Clem. Ah putain, c'était Doug. Doug, je l'ai laissé mourir. Enfin, de me résoudre un mystère. Ah, Doc. Donc là, il faut que je continue, là. Faut que j'attende la fin du générique. La musique est très bien. Je vais pas skip, t'inquiète. La musique est sympa. Bon. Je vais en profiter pour vous dire qu'il y a un giveaway jusqu'à ce soir. Et je donnerai les résultats demain. Je vais le fermer demain, je donnerai les résultats. Donc, si vous voulez participer au giveaway, vous pouvez encore, c'est la dernière fois. Quoi d'autre? Bah, je sais plus. Ah oui! En août, je vais pas suivre mon planning. Je pense que je vais. Comment qu'on fait? Tu fais point d'exclamation, giveaway, tout attaché en minuscule. Attends, j'ai pas ouvert. Bouge pas. Je l'ai pas ouvert. Je vais l'ouvrir. Ne bouge pas. Open giveaway. Ça devrait marcher. Voilà. C'est bon. Normalement, c'est bon. C'est bon. Et sinon, donc ouais, en août, je pense que je vais pas suivre mon programme habituel. Je le suivrai retour en septembre. Je vais streamer un peu. Voilà. De façon complètement random et aléatoire et chaotique. Ça va être sympa. Merci d'avoir projeté la vidéo game pour tes visites nocturnes. Mais je vous en prie. En fait, demain, je ne travaille pas. Donc je me suis dit, vas-y, je peux le faire quoi. Putain, mon chien, c'est ça. Ah là 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 là. Bah c'était un bon jeu, en tout cas je les ai tous hein. Sauf le dernier, mais je les ai tous. Donc, je pense que je vais tous les faire. Parce que celui-là était vraiment très très bien. Refais la fin après en tirant sur lui. Ouais, j'essaierai. Je vais peut-être essayer après de faire. Je vais peut-être pas le streamer, mais je vais essayer de le refaire. Ah là 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 là. Je vais vraiment attendre jusqu'à la fin ou pas? Stream loop s'il te plaît, je verrai. On va voir. La saison 1 et 2 sont bien, les autres un peu moins. Ok. On va voir. Fais-les tous avant que c'est l'auto-spoil. Non mais j'ai compris que Kenny était pas mort en fait. Hein. On l'a pas vu mourir en fait. Et Kenny, ça m'a l'air d'être un sacré un tough son of a bitch, tu vois, un peu. Genre, tu vois, il mourrait pas comme ça. Meilleur que l'un avec une moins bonne fin. Je trouve que c'est une bonne fin, ça. Je suis pas genre convaincu, hein. Elle a rien spoilé, mais je suis sûr que Kenny, il est pas mort, hein, voilà. C'est... Enfin... Ah, très bien. Est-ce qu'elle a trouvé les deux tocards là? Bah. Meuf, t'es pas avec les deux tocards? Mais attends, elle était pas censée trouver machin et machin là? Donc là, en fait, elle se balade depuis combien de temps avec son petit gun et sa robe couverte de sang dégueulasse? Ça me déprime. Ah bah c'est pas eux. Ils ont l'air de marcher normalement.
va pas avoir la suite. C'est la saison 2, hein, c'est ça. Hein. C'est la saison 2. Bon bah les enfants, c'est fini. Je l'ai fini. Je l'ai fini donc. Je continue. Je ferai la suite. Donc la saison 2, je pense. Attendez, je vais aller voir. Moi j'ai... Que je vous dise tout de suite. Donc j'ai The Walking Dead. J'ai A New Frontier. Donc ça je crois que c'est la... Non. Donc New Frontier c'est la 3, non? Donc j'ai The Walking Dead. Donc ça c'est fait. Season 2 après. Et j'ai Mission et New Frontier. Je crois que New Frontier c'est la saison 3. Et Mission c'est pas entre la saison 2 et la saison 3 ou un truc comme ça. On ne saura pas. Putain, super. Ça on va la voir dans la saison 2 je suppose. Mais donc je suppose que le prochain à faire c'est Season 2. Je crois. Si j'ai bien compris. Si j'ai bien suivi toute cette histoire. C'est un peu quand tu veux, Mission. Ok. Bon. Bon, 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 bon. Bon, et ben les enfants, c'est fini. On a fini. On a fini The Walking Dead. Ça me... Je suis... Je sais pas. J'en sais rien. Je sais pas trop quoi penser de mes choix, de tout ça, de... Je pense que là, j'ai passé bien une heure sur mon téléphone dans mon lit à regarder un peu tout ce qui est possible, je pense. Et voir si j'aurais pu, je sais pas, sauver plus de gens. Probablement pas. Mais il est pourri, skip, go saison 2. Ok. Bon, bah écoutez, super. On va faire ça. Non. Et bah mes hommages, Mr. Plageman. Mr. Plageman. Da, 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 da. Bon. Je suis toute perturbée. Ça va aller. Bon bah je vous dis à plus. À plus. Et je vais aller réfléchir aux choix que j'ai fait dans la vie. De façon assez globale. Ciao. Dormez bien.